Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire de la maison d'édition Élie Pierre Bordas et fils. Le sujet d'aujourd'hui est un dictionnaire numérique pour développer le lexique. À la fin de ce webinaire, je vous donnerai mon adresse email ainsi que l'adresse de l'éditeur pour des réponses à des questions que vous voudriez me poser. Ce webinaire me permettra de partager avec vous des contenus théoriques et pratiques. Et pour cela, je vous proposerai des exemples d'activités que moi-même j'ai proposées à mes élèves. Juste une précision avant d'aborder notre sujet. Pendant mes cours, le lexique n'est pas présenté comme un objectif. L'objectif de mes cours est en effet celui de faire agir, de faire communiquer mes élèves en utilisant, bien évidemment, du lexique. Et je voudrais commencer par un constat, qu'on ne peut pas parler une langue sans connaître les mots, même si on peut communiquer par des gestes, comme le dit le cadre commun européen de référence. Parler, c'est tout à fait autre chose. Mon professeur à la fac disait que la langue est une maison dont les mots sont des briques. Donc, aujourd'hui, je vous invite à construire ensemble la maison fleur. En classe, on doit prendre en compte les besoins et les capacités de nos élèves. Il faut réfléchir sur les activités et les thèmes convenant à tel ou à tel âge, à tel ou à tel objectif, pour tel ou tel objectif. Donc, il faut avoir à l'esprit que dans nos classes, il y a des apprenants de type auditif. Ce sont les apprenants qui préfèrent apprendre en écoutant et ils aiment les explications. Les types visuels, ce sont les apprenants qui préfèrent voir les choses, ils aiment travailler avec des manuels. Il y a des apprenants de type kinesthésique et qui mémorise grâce aux gestes. L'enseignant donc doit proposer des activités ou des exercices variés pour satisfaire les besoins linguistiques présents et futurs des apprenants, afin de leur permettre bien évidemment de réussir. Si on propose qu'un seul type d'activité, on permet à un seul groupe de réussir et les autres seront bien évidemment démotivés. Dans l'enseignement et apprentissage, la motivation est très importante. D'autre part, pour nous enseigner à des apprenants qui sont motivés, est vraiment plus facile, si on peut dire, et plus satisfaisant. La motivation, en effet, déclenche la satisfaction, la confiance en soi et l'envie de continuer à apprendre. Une activité doit être qu'on doit présenter à nos élèves, elle doit être motivante aux yeux de l'élève, c'est-à-dire qu'elle doit correspondre aux intérêts des élèves, surtout aux intérêts présents. Elle doit être diversifiée avec plusieurs tâches à accomplir et s'intégrer avec d'autres activités, par exemple comme ce que nous allons voir tout à l'heure. Elle doit représenter un défi pour l'élève, exiger de la part de l'élève un engagement cognitif et permettre aussi à l'élève d'interagir avec le reste de la classe, avec le groupe. Elle doit surtout comporter des consignes claires. Elle doit être authentique dans la mesure qu'elle va permettre la réalisation d'une tâche. Donc voilà ce que je proposais à mes élèves. J'étais en cours en présentiel, mais vous allez voir, elle est très simple cette activité. Vous pouvez la proposer même à distance. Je vais partager la classe en groupe et chaque groupe, en regardant cette image, mon objectif, je leur avais dit, c'était la présentation du lexique des fruits. Donc, dans chaque groupe, les élèves devaient écrire sur leur cahier, dans leur cahier, tous les mots, donc sur la feuille de papier, tous les mots, les adjectifs de couleur, le verbe qui leur venait à l'esprit. Des mots qu'ils connaissaient. Là, par exemple, ils connaissaient le mot pomme, ou bien poire, ou chien, ou les couleurs rouges, bleu ciel, orange, jaune. À ce moment-là, j'ai dit, bon, alors, vous allez me dire où on se trouve, pour quoi faire. Ben,
Bien évidemment, ils savaient que c'était des fruits, hein. Mais pour élargir le lexique, comment je fais? Eh bien, très simplement, j'ai utilisé un vocabulaire numérique comme celui-là. Et donc, pourquoi j'ai choisi ces dictionnaires numériques? Parce que j'estime qu'il est très important, surtout au début de l'apprentissage, de faire attention à la prononciation des mots et à l'orthographe. Parce qu'après, il est difficile de supprimer des fautes, hein, qui sont apprises dans cette phase. Personnellement, comme je vous disais, moi j'utilise énormément ces types de dictionnaires parce qu'ils me permettent d'associer le son et l'image et donc de favoriser l'apprentissage, la mémorisation de nouveaux lexiques. Alors, vous voyez là, il s'agit de la même page. Donc, les élèves me disent, bon, on est au marché, hein, on va acheter des fruits. Donc, ils ont pu vérifier leur hypothèse. Et après, ils ont dit, mais il y a des mots que nous, des fruits qu'on ne connaît pas. Et moi, je disais, ben, celui-là à droite, à gauche, par exemple. L'orange, Et puis. la pastèque, la poire, le raisin. Pourquoi faire écouter le son? Parce que, comme je vous ai dit, en classe, on doit favoriser les différents styles d'apprentissage. Bien évidemment, le professeur peut prononcer plusieurs fois d'une manière correcte le mot, mais l'enregistrement favorise la bonne prononciation et surtout favorise la mémorisation et la compréhension, c'est-à-dire l'élève peut tout de suite associer le son à l'image. Normalement, si on n'a pas l'image et le son, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on utilise les gestes, on peut montrer les choses, on les dessine, on explique en utilisant d'autres mots, on utilise la traduction, mais il est un peu difficile pour certains élèves de déduire le sens. Tandis qu'avec une image bien illustrée, les élèves peuvent apprendre facilement. Alors, après, donc, moi, j'ai proposé des exercices que les élèves trouvent dans n'importe quel, dans leur manuel. Et on a continué pour pour utiliser ce nouveau lexique en contexte, surtout avec une activité ludique. Alors, tout simplement, qu'est-ce qu'ils ont dû faire? Ils ont dû insérer ces mots nouveaux, dans une phrase. C'est-à-dire, je leur avais dit, vous allez penser à une phrase contenant un des mots appris. Donc, je laissais cette page ouverte. Donc, ils pouvaient réutiliser, pouvaient regarder. Hein, donc, c'était une tâche assez simple. Mais ne pas prononcer le mot. Mais au lieu de le prononcer, de dire le mot, d'utiliser le mot truc. Donc, par exemple, au petit déjeuner, je bois un jus de truc, un jus de pomme, un jus d'orange, et les autres devaient deviner, hein. Pour continuer dans ce climat ludique, dans un climat de confiance, ma classe se transforme dans un magasin de primeurs. Hein? Et donc, on revient à notre PowerPoint. Je demandais aux élèves de transformer la table en l'étal de ce magasin et de dessiner les différents fruits et de vendre. Chaque élève dans son magasin devait proposer comme un vrai marchand les fruits. Donc, il devait utiliser le lexique connu en contexte. Ou bien, on peut continuer avec les devinettes. Par exemple, là, quand on a travailler le lexique de la classe et des fournitures scolaires. C'était moi cette fois qui proposais des devinettes. C'est un objet rectangulaire où on met on peut ranger la gomme, le crayon, les stylos. Et les élèves, bien évidemment, ils ont dit, ben, c'est la trousse. Maintenant, donc, je proposais à du non,
On pourrait continuer avec les activités. Mais moi, je voudrais vous montrer une autre piste, d'autres activités que je proposais à mes élèves avec un niveau un peu différent, un niveau linguistique B2. Alors, donc, on quitte les étals de ce marché et notre salle des classes et on rentre dans une gare. Dans une gare parce que moi, j'avais proposé à mes élèves de faire un voyage. Un voyage et donc, on est dans la gare. Mais là aussi, donc, je vous avais dit que c'était une classe avec un niveau linguistique B1 plus. Donc, bien évidemment, certains mots, ils le connaissaient déjà. Donc, par exemple, Le chef de train. Les bagages. Le voyageur. donc, tout au début, j'ai utilisé cette page pour réviser le lexique que connaissait, et puis on a ajouté d'autres mots. Comme je vous ai dit avant, on a l'association du son, des images favorise la mémorisation. Mais à ce niveau-là, moi, je préférais proposer un dialogue. Parce que le dialogue permet aux élèves de voir l'utilisation du lexique dans un contexte et comment l'utiliser. Alors, donc, on propose, voilà, ce dialogue. Et comme vous voyez, il y a un beau dessin et ici le dialogue. Donc, le professeur, bon, comme moi d'ailleurs, peut exploiter cette page de différentes manières. Alors, moi, avec mes élèves, au début, j'ai proposé l'écoute du dialogue sans le script du dialogue. Bonjour madame, votre billet s'il vous plaît. Excusez-moi, monsieur le contrôleur, quand arrivons-nous dans la prochaine gare? Dans environ 10 minutes, nous sommes presque arrivés. Madame, excusez-moi, mais votre portable sonne? Alors, donc, on a regardé les images, on a écouté, je posais quelques questions, mais je n'ai pas posé des questions pour la compréhension du détail. Alors, pour faire travailler les élèves sur la prononciation de certains mots en contexte, on peut proposer ces dialogues, mais regardez, parce que les élèves. Oui, je répondrai après. Écoutez, où puis-je trouver un chariot à bagages une fois arrivé en gare? Ma valise est lourde et je dois prendre la correspondance pour Lyon. Au bout du quai, madame. Comme vous voyez, les élèves là, ils voient toutes les expressions prononcées se colorer à la manière d'un karaoké. Donc, pour eux, c'est facile hein, suivre le dialogue. Alors, là aussi, je peux proposer une activité de compréhension pour vérifier la compréhension. Global, le train est en retard de 10 minutes, va entrer en gare dans 10 minutes, a quitté la gare. Moi, on choisit, va entrer en gare. Les chariots à bagages sont au bout du quai et la dame voyage à billet de train, un ticket de métro. Et on évalue, ah là, je me suis trompée, mais je ne peux pas avoir les solutions. Alors, je reviens un instant au dialogue parce que je proposais à mes élèves une activité d'interaction pour favoriser l'interaction. Vous vous souvenez que la communication, mon but, c'était la communication. Comment je fais? Je élimine, par exemple, ce qui dit la dame ou ce qui dit les expressions dites par le contrôleur. Voilà, donc, les élèves peuvent choisir
et peuvent interagir, choisir donc qui éliminer, et ils vont interagir avec le personnage. Donc là, c'est le contrôleur qui parle. Excusez-moi, monsieur le contrôleur, quand arrivons-nous dans la prochaine gare? Oui, je répondrai après. Vous voyez, donc là, les élèves doivent interagir avec la dame, ils doivent faire comme s'ils étaient un contrôleur. Hein. Un contrôleur, donc, parlait. Et là, c'est pour favoriser l'interaction et la mémorisation, et surtout utiliser le lexique, le nouveau lexique, en un contexte. Mais je passe aussi à un contrôle défi, c'est-à-dire je leur ajoute encore du lexique. Dans ce cas, c'est toutes les actions que je fais dans la gare, donc pour voyager en train. Demander des renseignements. Regarder par la fenêtre. Déjeuner à bord. Acheter un billet. Et qu'est-ce que je propose à mes élèves? Je leur dis, je suis un voyageur sans billet de train, je dois aller à Lyon. Qu'est-ce que je dois faire? Ils doivent me dire toutes les actions que je dois faire pour acheter mon billet et pour monter dans le train. Donc, chaque élève écrit dans son cahier la réponse à mes questions. Et je continue en utilisant les briques pour construire ma maison fleu. Et donc là, je propose des mots nouveaux qui sont insérés dans des expressions idiomatiques qui contribuent à la richesse d'une langue et à mieux connaître la culture de notre peuple. Expression idiomatique. Mettre sur la voie. Mon père a participé à un célèbre jeu télévisé. Et le public l'a mis sur la voie pour qu'il puisse donner la bonne réponse. Plier bagage. Monsieur, vous n'êtes pas le bienvenu. Je vous invite à plier bagage. Mener grand train. Alors, vous voyez que là, ce sont des expressions idiomatiques tout à fait françaises et que les élèves vont apprendre, vont reconnaître. Mais comment les utiliser? Ben, tout simplement, je demande à mes élèves de revoir ces expressions et de les insérer dans de courts dialogues qu'ils vont faire à binôme. Hein, binôme. Grâce à ces activités, pour mes élèves, sera plus facile de continuer, par exemple, et avoir moins de difficultés dans la compréhension des écrits, parce que vous savez que le lexique joue un rôle important dans la lecture, hein, dans la compréhension du lexique. Là, par exemple, je leur ai proposé un petit texte sur les gares ferroviaires de Paris. Ou bien, dans la compréhension de l'oral, hein, il y a une grande et importante corrélation entre le lexique et l'écoute. Ils auront moins de difficultés. Et par exemple, dans le DELF, mes élèves, vous savez, moi je propose tous les ans la passation du DELF. Et dans la production orale, par exemple, au niveau A2, ils doivent utiliser un répertoire limité, mais adéquat pour gérer des situations courantes de la vie quotidienne. Ou au niveau B1, donc moi je les prépare de cette manière, mes élèves, en leur fournissant un bon lexique, un lexique assez riche. Parce que, par exemple, ils doivent affronter des épreuves ou doivent décrire leur chambre. Avez-vous une chambre pour vous tout seul ou la partagez-vous? Décrivez-la. Donc là, ils doivent savoir comment décrire la chambre avec tous les lexiques, tous les meubles qu'il y a dans la chambre. Ou, par exemple, dans le cas d'une production écrite, vos vacances avec vos parents, avec un membre de votre famille ou avec des amis ou seul, vous ont laissé un souvenir inoubliable. Racontez ces vacances et donnez vos impressions à un correspondant, vous devez utiliser 160 mots au minimum. Alors là, on est à un niveau un peu plus élevé. Donc, le lexique, c'est important aux vacances, c'est très important parce que ça permet vraiment de créer une production écrite, un mail qui soit adéquat à ce qu'on demande au DELF. Ce sont des exemples d'activités que moi je proposais à mes élèves
pour construire cette maison fleuve avec eux. Et j'espère, je vous remercie tout d'abord pour votre attention. J'espère vous avoir donné envie de construire avec vos élèves cette maison fleuve. Vous trouverez ici nos adresses e-mail. Donc, n'hésitez pas à nous recontacter et à très bientôt.